Well, moi je suis Elaine, et je vais vous faire cuire une raw poule pour montrer comment est-ce qu'on la fait cuire. On fait cuire la poule avec des oignons salés et puis des échalotes. Des échalotes salées et des oignons. J'ai mis deux gros oignons dedans. Ça, c'est un bloc de patates. Et ils sont gelés. Tu peux les acheter sur Sterling ou Sobeys. Et puis, on fait la rampure avec ça, c'est seulement des patates trempées. Ça, c'est les patates. Les patates. Oh, okay. Avant de mettre dans ta rampure, il faut que le bouillon, il faut que ça bouille. Tout ça bouille, c'est. Ça, c'est les patates rampées. Ça, c'est du bouillon. Donc, je fais cuire la poule dedans. Et puis, tu mets 13 cups d'eau, 4 trop de bouillon avec la rampure. Ça fait 4. Ça fait 6. Ça fait 10. Dans mon bassin. Et elle se mange de même. Et on va piquer. Du poulet. On va mettre un petit peu de bol. Je suis prêt pour que ça fasse une belle crème. Qu'est-ce que Gary avait mis dessus? Du lard? Ah oui, lui avait mis du lard. Okay. Oui, il manque qu'il a du lard. Il me manque qu'il a du lard, on a manqué ma paille d'or. Non. Il a volé dans le feu. Mon flamme à sous-broil.
pour la masse de bois, pour qu'elle fasse une queue. Et là, on la baisse. OK. Pour combien de temps tu la laisses au bois? Pour combien de temps tu la laisses? Ça prend une petite rampe, ça prend about 2 heures et demie. Oh, wow. OK. Masse de bois. Moi, je suis broil. Non, c'est ça. Je la laisse pick la watch. OK. Pour qu'elle fasse une queue, puis donc la baisse à 365 ans. OK. OK, la croûte en premier, puis là. Ouais.